Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça serait pas un nouveau projet par hasard? Ouais, eh ben, on se lance dans un nouveau projet, allons-y. Ouais. Nouveau projet sur la Honda XR 125, c'est ça, c'est une 125. Là, il faut d'abord enlever tous les... Tout ça, quoi. Et ouais, c'est un nouveau projet parce que justement, c'est plus ou moins ce que je voulais faire. En gros, c'était en gros, acheter des véhicules pour les revendre plus cher, quoi, pour les réparer et tout ça. C'est ça. À l'origine, je voulais réparer des quads, hein, en gros. Plus ou moins. Bah, des quads ou des motos ou n'importe quel type de véhicule comme ça. Et donc voilà. À plus. Ah, d'accord, c'est posé comme ça. Tiens. C'est un peu sale en dessous, hein. Hop. Bon, pareil de l'autre côté maintenant. Ça va, on a un peu la place quand même. Ça va attirer du monde, ça, la XR, par contre. Ça va avoir du succès. Bah, comme la 106, d'ailleurs. Hein, la 106, la première vidéo sur la 106, c'est aujourd'hui la deuxième plus vue de ma chaîne. Et ben, peut-être que sur la XR, elle va faire encore plus de succès, je sais pas. Là, j'ai le guidon qui me gêne. Si je le mets comme ça va. Hop. Oh là là, toute la saleté. Apparemment, elle n'a pas tourné pendant 8 ans, je crois qu'il disait. Ouais. Puis là, si tu regardes le moteur, on dirait qu'il a été au bord de la mer, quoi. Ça, c'est pas rouillé parce que je crois que c'est de l'aluminium, mais c'est comme s'il avait été au bord de la mer, quoi. Alors que pourtant, elle a jamais été au bord de la mer, non. Par contre, à mon avis, elle a dû être stockée à un endroit où il y avait beaucoup d'humidité ou quelque chose comme ça,
Pareil, le carburant là-dedans, ça a macéré, quoi, ça a fermenté. Donc on va nettoyer tout ça, je pense. D'ailleurs, ça, oh, bah, ça s'enlève tout seul, ça. Hop. Sur quoi c'est fixé ça, le réservoir? Bah d'accord. D'accord, en fait c'est juste monté comme ça. Et ben on va pouvoir l'enlever, voilà. Bon bah voilà. Il n'y a pas de. Non, il n'y a même pas de radiateur à l'avant. Parce que sur certaines motos, il y a une sorte de radiateur là devant.